juin, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes et qu'on a eu envie, on y a une autre manifestation qui aura lieu à midi devant la sous-préfecture, mais on a eu aussi envie, comme l'année dernière, de nous retrouver le dimanche sur un temps de travail non salarié pour chanter, partager un moment festif autour de cette journée de lutte. C'est une journée donc, qui est là pour porter nos revendications contre donc, le harcèlement, contre les violences faites aux femmes, mais aussi l'égalité salariale notamment, et voir une meilleure prise en compte de la place des femmes au travail. Parce que l'huile mars, c'est ça, c'est le par rapport aux femmes au travail. Et une meilleure prise en compte aussi de la place des femmes dans l'ensemble de la société. Le partage des tâches, et partage de la charge mentale, partage entre tous de ces éléments-là. Sur cette planète, à chaque endroit, tu t'es battu pour avoir des droits. Tu le feras encore, tu le devras, et ce n'importe où tu iras. À toutes ces femmes qui n'ont aucun droit, quelle que soit l'époque ou l'endroit, soi-disant nées avec le mauvais sexe, et par la même occasion mises à l'index. Quand l'homme se veut roi, que la femme doit être soumise, et que l'oppression est admise. Homme, toi qui nous regardes de haut, macho pour qui la femme a bien trop d'état d'âme. Pour toi, nous ne sommes qu'un accessoire. À celle à qui l'on ôte la parole, à qui on laisse les mauvais rôles,
à ces milliers de femmes que l'on dépouille même de leurs âmes, dont l'existence est une lutte sans trêve, où il n'y a pas de place pour les rêves. Femmes, refuse de n'être qu'une poupée que l'on habille selon sa volonté, et qu'aussi facilement on dénude. Tu as ta propre identité et personne n'a le droit de te l'ôter. Je suis celle qui n'a pas la tête sur les épaules, qui a dû la donner à Pierre, Jacques ou Paul. Je suis à celle à qui l'on offre de belles romances, seulement le papier cadeau est enlevé à l'avance. Ton parcours est celui de la combattante, ce qui te rend si épatante. Bec et ongles, défends ta condition, rien n'est plus fort que ta conviction. À celle qu'impunément on harcèle, à toutes celles que l'on muselle, à qui l'on impose le mariage, dans certains pays, dès le plus jeune âge, qui seront à jamais incomprises, que l'on détruit et méprise, à qui on laisse les tâches harassantes, à toutes ces femmes que l'on excise pour les priver d'un légitime plaisir, à toutes ces femmes bafouées par l'homme ignorant et fou, à qui l'on promet le fouet au moindre de leurs actes, à celles que l'on voile pour ne pas attirer la convoitise, traitées comme de la marchandise. Lever la main sur sa femme, souffler net sa flamme, vois-tu un humain dans la glace? Comment peux-tu te regarder en face? Tu veux la rendre coupable de tes actes irresponsables. Pire qu'une bête sauvage, la violence que tu déploies prouve ton impuissance. Hommage aux femmes, à toutes les femmes, femmes d'exception, qui, bec et ongles, ont ouvert la voie pour que leurs sœurs soient traitées d'égal à égal, partout où règne l'idéologie patriarcale. Leur combat nous a rendu nos droits inaliénables. Ce qu'une machiste société n'a eu de cesse de tenter de nous ôter. Hommage à toutes les femmes qui ont défendu la cause féminine, qui se sont bel et bien battues pour améliorer notre condition, ont refusé que l'on nous domine, qui ont su imposer leurs convictions pour la ferveur et l'ampleur de leurs actions, qui ont fait du bruit, donné de la voix pour en faire bénéficier celles qui nous en ont été privées. Indignés et volontaires que nous n'ayons plus à nous taire. Indignés et volontaires que nous n'ayons plus à nous taire. Indignés